Bonjour, bonsoir la famille, comment nous y est? M'espérez nous en forme, m'espérez ça pas plus mal bon côté pas nous. Puisque nous tous nous au courant déjà de situations difficiles qui a traversé pays, malgré tristesse, malgré chagrin, malgré mauvais moments, m'oblige prendre toute et bagaille énergie négative ça yo mettez en côté depuis ma vie ni pour me porter émission pour depuis ma vie ni pour me venir parler de pays ma vie ni pour me venir porter information yo pour tristesse chagrin toute bagaille ça yo m'oblige prendre yo mettez en côté à part pour me porter énergie positive pour me porter bonnes ondes pour continuer croire dans renaissance pour continuer croire gon possibilité pour Haïti changer pour Haïti aller sous bonne voie. Dans les jours qui sont passés là, c'est coup dur pour PNH, c'est coup dur pour l'institution de la police. Et juste dans le moment où on a parlé là, policiers qui arrivent dans la rue, policiers capaïtiens dans la rue, ils ont fait revendication passé, ils ont dégagé frustration, ces manifestations, ces chaos qui ont boulé, policiers qui ont demandé meilleures conditions de travail, policiers qui ont demandé dans le moment là pour aller pour l'état-major de la police, pour le gouvernement Ariel Henry, pour dépêcher des unités spécialisées pour aller récupérer corps et 6 policiers qui étaient tombés dans les couillots. On n'est pas fait, on n'est pas dit. Eh bien, dernière action, Sam Kadino, qui sont passées là, hier dimanche, à côté, gang Vitelòm nan mettez en déroute, on l'autre fois encore PNH. Et PNH, c'est seule grande institution républicaine nous était là, qui encore campé, malgré le fragilisé, malgré le sous-route pour nèg yo ta krasel, puisque nous avons exécutif qui presque pas existé, ou un premier ministre qui illégitime, ou un premier ministre qui décrit, un premier ministre tout le monde a poussé de l'eau, tout le monde a envoyé de l'eau d'elle pour l'aller, ou pas de pouvoir et législatif, et judiciaire, là, lui-même pas besoin de parler de corruption, juge qui pas certifié, etc. Donc, la seule grande institution républicaine qui est censée camper, nous qui scandale qui la dans le scandale qui implique au état-major la police qui t'a une relation à gang nèg qui dans au état-major la police qui a planifié opération qui a planifié intervention pour voyer policier à mourir pour voyer policier à la boucherie donc toute bagaille ça yo toute situation ça yo en vérité yo révoltant pour un pays côté sécurité pas priorité nèg ça yo qui au pouvoir qui gen maette là nan men yo. Ou non pays côté que la vie ou pas compter la vie ou pas important pour nèg sa yo qui au pouvoir ou a poser toute question qui sort ou fait dans moment là qui ça qui mérite fait dans moment là pour même pour sauver la vie pour même pour protéger la vie parce que chaque grand haïtien dans moment n'a parler là yo obligé mettre autorité l'état ou mettre dans situation c'est tête yo avant toute chose. Comment y a fait pour protéger vie? Comment y a fait pour protéger petit? Comment y a fait pour protéger madame? Pour protéger maman, papa? Parce que c'est ça qui est une priorité. Il n'y a pas de monde qui a pas assuré la sécurité. Il n'y a pas de monde qui a veillé pour eux. Eh bien, par rapport avec Calotte Marassa, par rapport avec Soufflette, ça, Goudou Goudou, ça, puisque Frantz Elbé te fait connaître et lui lancer opération Tornade, eh bien, ça nous éviter l'homme à faire là, dans peigner. Jouk matin là, ça nous évite l'homme à faire dans peigné, ça évite l'homme à tenter faire dans Belleville, ça est pas tornade lié, ça c'est goudou goudou qui a passé. Ça son réponse directe. Ou quand des réponses directes, ça son réponse directe gang Vitelòm non, bah avec Frantz Elbé. C'est comme si Frantz Elbé c'était porte-parole li, il t'a annoncé que pral gen tornade, pral gen opération qu'a fait et puis c'est gang Vitelòm non qui a réalisé. Yo déjà la police fin parler côté que li annoncé, li fait connait sous-commissariat Pernier, gagné unité spécialisée qui l'a dans. L'on parle de unité spécialisée, c'est comme si on t'a parlé de SWAT, c'est comme si on t'a parlé de BRI, c'est comme si on t'a parlé de BLTS. Policiers qui est tactique, policiers qui bien formés, policiers qui formés pour opération, policiers qui formés pour al battre à bandit, al traquer bandit, etc. Ou dit population, dans sous-commissariat Pernier par rapport avec Jean Gang Vitelòm nan occupé Pernier par rapport avec Jean Gang Vitelòm nan et prend plus territoire dans Pernier, nous mettez unité spécialisée pour contrôler sous-commissariat. Nous disons pour un, pour deux, Vitelòm al krasé, le débarqué à Marco Lodeux l'écrasé sous-commissariat plate. Ça prouve que sous-commissariat c'est pas ton bagage qui te fonctionnel. Ça prouve sous commissariat pas de fonctionnel parce que le nous c'est le mener enquête, nous essayons de chercher information, pas de riposte qui fait. Pas de riposte qui fait, nèg yo débarqué avec Marco Lodeux, yo débarqué avec Angèle Louis, yo crasé sous commissariat, yo tiré, yo fait démonstration de force et puis yo allé. Mais m'a posé tête mon question. Est-ce que son bagay mal dirigeant yo fait à payer? Est-ce que son bagay mal haïtien fait à payer? Qui fait nous bon paquet d'autorité qui plus à l'aise, qui prend vaccin pour yo bail menti, qui boit comprimé, qui prend sirop pour yo bail menti sans aucun scrupule. Et comme si nèg yo pa gen nèg nan figure, nèg lan pa peur pour convoquer la presse, journaliste déplacé qui te travail li, qui te la caille li, vinn risquer ville malgré gen tiré, malgré gen manifestation caoutchouc a boulé et puis il pral camper pour la garder un paquet autorité par côté qui camper a balmenti, a bailmenti comme si de rien n'était et puis après pour bandit pral mettre l'État en déroute, pour bandit pral mettre la police en déroute, bandit pral avili l'institution la police en pire. Puisque Frantz Elbé te fini, il te dit carrément, et sous commissariat protégé, Vitelòm fin krasé, pas aucun riposte qui fait. Eh bien, hier soir, Vitelòm allé en l'autre fois encore, pour l'al craser route, yo te mette, parce que te gon clôture qui te fait dans Belleville 3. Vitelòm te allé avec matériel, il te craser. Kounya yo te vinn refaire construction, mette conteneur barré, refaire clôture, etc. Vitelòm allé encore hier soir dans Belleville 3 pour l'al craser clôture là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire à chaque fois gang nan, li pose en action, la police pas en mesure pour riposter, pour ba une réponse qui proportionnelle, gang nan gen plus confiance dans lui-même, bandi yo vin gen plus confiance dans yo même, ça vient permettre que c'est population qui paye pot casser, c'est nous-mêmes qui victime yo, c'est nous-mêmes qui victime yo. M'pral prendre des exemples qui bien concrets avec vous. Des exemples si depuis l'essence. Si depuis le commencement problème, dans le commencement la douleur, autorité nous te gagne, vous te assumez responsabilité, vous te connaissez autorité, vous te connaissez, vous avez une mission pour respecter, pour engagement de l'institution la police. C'est lui-même qui doit honorer en vérité. En vérité, faciliter gang, faciliter bandit, journée jodi en là. Non seulement pour y tuer policiers, non seulement pour y défier policiers, non seulement pour y imposer aux sous-populations, pas de gens fait. Premier chèque, c'est pas bon, on met comme premier chèque parce que c'est à l'ère de la technologie, réseau, information circule beaucoup plus sur réseau. Ça vient bagay là en pleurs. C'est pas première fois policier a tombé dans opération, c'est pas première fois policier pral mener opération policière victime, mais ça t'est passé 12 mars 2021 dans Village de Dieu. Côté gain unité spécialisée, côté gain agence SWAT qui a mené une opération dans le village. Pour le village, vous avez les policiers à venir. Vous fait trancher, vous fouillez trou, couvrir trou. Pour Chablendea tomber dans l'embuscade, elle prend dans l'embuscade. Et après l'assassinat, massacre qui vient fait sous 5 policiers dans le village. Ou l'État pas côté, l'État pas chiment, qui préférait. Yo bay toute priorité yo avec Chablendea. Chablendea yo al prend Chablendea. C'est pas attaquer à l'attaquer bandi pour déloger bandi yo non. Chablendea yo préfère négocier avec bandi yo. Yo prend Chablendea, yo quitte cadavre policier yo. Première réponse, première image que gouvernement l'État voye bay bandi yo c'est que l'État autorité qui était là yo à ce moment, yo te prouvé bandi yo. Non seulement il y a des pouvoirs pour négocier avec bandit, dès pour non négocier avec bandit en vérité, bandit en pas jamais respecter ça qui est l'institution la police. Nous gagnons, nous choisissons négocier nos Chablendea, nous comprendre qui préoccupation, toujours essayer de comprendre qui préoccupation qui gagne par bon côté autorité CSPN etc. pour récupérer Chablendea qui sont armes. Qui sont en préféré Chablendea dans la police que l'homme et bandit yo mais tout pas jambe ka comprendre comment l'État comment dirigeant nous yo préférer négocier avec bandit pour récupérer un champ et puis yo quitter cadavre policier qui a risqué vie au péril de leur vie y a mené un combat y a mené une bataille pour établir sécurité pour déloger bandit et ça plus grave c'est nèg qui en dehors d'institution la police qui liquide qui vend bandit policier yo malgré tout bagay ça yo yo pas chercher un moyen pour récupérer corps policier pour remettre famille pour rendre un dernier hommage. Ça te gèt montré que te iso, que te mano, etc. qui en dedans village de Dieu, que policier pas important pour institution. Gang yo plus important pour autorité yo, gang yo plus important pour politicien yo. Journée jodi a soit mande aux politiciens choisir en tant gang avec un policier qui est-ce que c'est l'a choisi. Ou pensez la mette policier en balance, policier a pesé puis lourd non. Gang n'a pesé puis lourd. Parce que tout ça a fait en bas table, tout ça a fait de manière informelle, c'est à gang nan yo fèl. Leur besoin à plein urne, leur besoin de élection, c'est gang nan ba yo élection. Leur besoin de transporter cocaïne, c'est gang nan fèl pou yo. Gen mauvais policier tout ça, nous connaissons déjà. Et ça fait l'important pour gon vetting qui fait dans la police, pour gon passé mais qui fait. Vous comprenez? Mais là, on a parlé de manière générale. Nécessité qui gagne journée aujourd'hui là pour gagner pour des principes qui rétablissent en dedans l'institution la police, pour des principes qui rétablissent en dedans l'État. Fondement l'État n'est pas basé sur corruption. Fondement l'État n'est pas basé sur relation, sur proximité, autorité, gang. Chaque fois autorité mette en non situation, côté on priorise gang au lieu que policier, au lieu que bien-être collectif là. Après, nous pas besoin de crier devant micro la presse, nous pas besoin de faire tiger nous charger devant micro la presse. Oh, n'a pas essayé rétablir situation, nous pral déloger bandit, n'a monté opération tornade, n'a monté opération dénicher bandit, n'a fait ceci, n'a fait cela. Parce que c'est nous bail bandit accès journée jodi là pour terroriser population. Nous pas assumer responsabilité yo, assumer responsabilité nous. Nous besoin bandits pour nous mettre dans la rue, pour nous déstabiliser pouvoir, là nous pas d'accord pouvoir, nèg politicien yo. Nous besoin bandits pour nous mettre dans la rue, pour nous montrer au pouvoir qu'il a peut-être pas bail résultat, pas travail, créer insécurité, créer chaos. Donc d'une manière ou d'une autre, tout nèg sa yo qui gagne possibilité pour prendre des décisions au nom de l'État, au nom de la République, au nom de la société, yo impliqué dans ça nous gagne là comme chaos journée jodi, comme problème de sécurité. Premier bagay là, yo allé ou quitter corps policier yo près Chablendea yo allé. Est-ce que la vérité jom rétabli dans ça qui t'est passé 12 mars? Ou kon vérité ya? Est-ce que bonne vérité ya? Est-ce que j'aime bien une nèg qui t'a mené opération que le Henri Boucher que le DDO? Est-ce que nèg ça yo te sanctionné yo? Henri Boucher nèg la yo fin mettre en isolement puisque dossier a été chaud, tout le monde t'a demandé et qui est-ce qui va assumer responsabilité hein? Qui est-ce qui a sanctionné, qui est-ce qui a ceci, qui est-ce qui a cela ou tendez en isolement? Journée jodi là contre Henri Boucher. Ou tande a cité non Henri Boucher pressenti pour tal voyel pour la travail dans l'Artibonite pour tal responsable et commissariat dans l'Artibonite. Même Henri Boucher ça parce que nous gon institution la police ou état-major la police tout ça est comme si on dou sac fait dans Karimi policier a tombé, policier a victime, parents policier a perdu petit yo, il a perdu Mario, gon policier là qui tombé dans l'encours à peine 6 mois mariage Julien. Li qui ton petit bébé oui. Li qui ton petit bébé qui peut quand même gagner 1 an, 6 mois mariage. Et puis, ça va dire famille, ça va dire madame ni, ça va dire petite li, ça va dire petite li. Comment, qu'est-ce qui ça qu'a justifié journée jodi là? Nous avons institution la police, chaque défaite yo prend, chaque échec yo prend, ou toujours tendez c'est nos autorités qui en dedans institution qui a fourni bandi information, qui a voyé policier à mourir. Qui ça qu'a passé dans l'institution comme ça? Donc toute bagaille ça. Frantz Elbé dans cette institution la police. Ils ont mis en déroute. Pendant DG la police, ils ont allé là, n'ont pas qu'à Port-au-Prince, ils font que tout le monde dehors. Pas aucune bagaille, pas aucune riposte qui fait. Pas aucune riposte qui fait, pas aucune solution qui porte à problème Matissant. Pas date Ariel te dit Matissant pas accessible, il va le déloger gang, il va le déloger bandit, etc. Nous finissons par réaliser son CSPN de l'Bokier. Nous finissons par réaliser son paquet d'autorité pas côté qui dans tête l'État. C'est pas un merde à régler réellement. C'est pas un rien à régler. Sinon que bah nos paroles fait nous dormir et puis tête l'en bandit pour venir touyer nous par la suite. C'est ça à régler. Si ma carte occupait la boule, à plusieurs reprises, bandits et policiers ont fait intervention en l'air. policiers ont fait intervention. Tantôt entendez opération qui était menée et où état-major pas de connaître, CSPN pas de connaître, yo dédouané de toute responsabilité pour garder gang ti macaque touyer policier, faire vidéo policier, faire photo policier, yo même présenté. Yo même présenté un document qui montrait que oui PNH était au courant que policiers ont monté la boule 12. Et puis autant des PNH, DG, IG, yo déresponsabilisé, yo dit yo pas connait bagarre comme ça policier c'est job yo te al fait. Tout bagaille ça au Frantz Elbé dans tête PNH oui. Frantz Elbé DG oui la prend calotte Marassa. La prend calotte Marassa ouais ta major la police li là oui, l'enmo 100 jours. Moi même te pensé yo ta final dossier l'enmo 100 jours ça. Leur collègue t'est tombé. Collègue yon nan nèg qui t'est puissant dans gang 400 Marozo. Le collègue tombé, l'homme sans jour sans position, l'homme sans jour, li pas arrêté quoi des bouquets, tantôt tendez l'homme sans jour, li tomazo, ou tendez le 10 000 so, l'homme sans jour a fait va-et-vient, li pas arrêté quoi des bouquets, soldat commencé à plaquer pied parce que 400 Marozo, base 400 Marozo à l'époque, li perdu un gros bras, li perdu un gros joueur. Moi-même, je attends moi, pral gen plan stratégique, pral gen opération, pral monter, bon moment pour démanteler gang 400 Marozo parce que soldats ont commencé à éparpiller, nèg a courir quitter base, on y est pas fait, on y est pas fait, nèg yo vinn prendre, nèg yo vinn gagner plus confiance en soi, nèg yo vinn sentir plus en sécurité parce que là pour la police t'a attaqué pour démanteler, pour la police t'a fini avec gang 400 Marozo et nan tété lang ou tande la police avec bandi. Chaque tigre bandit, chaque tigre bandit, tigre vagabond tendez, yo arrêté ou bien qui tombe, la police sur route pour démanteler gang 400 Marozo. Journée jodi a qui soit ouais, ou pas ouais l'homme sans jour tourner tout feu tout flamme, l'homme sans jour on est qui pas lever ni loup ni léger, on est qui pas jamais travailler en froid dans ville, qui pas jamais travailler, qui travaille de manière honnête. L'homme sans jour c'est kidnappeur, l'homme sans jour c'est criminel, c'est assassin l'homme sans jour. L'homme sans jour, l'a exposé paquet l'argent gagné, l'a joué à hasard avec l'argent, le reprendre la montre l'a bien passé. La montre l'a bien passé, elle sent-il confortable. Mais c'est ça yo. Peut-être nèg qui dans la police, nèg CSPN yo prend ça yo pour de simples détails, yo prend de simples informations, mais ça yo. C'est bagaille ça yo qui pèse lourd dans agenda dans calendrier gang yo. Le ISO li ouais, c'était bon moment pour démanteler et peut-être le mois sans jour la police pas fait. Ils ont dit pas moins à venir démanteler qui non qui bien fermé comme ça, qui bien positionné comme ça. Le ISO font action. Le mois sans jour Vitelòm ouais, peut-être c'est un bon moment pour la police river sous ISO. La police pas fait. Yo même yo prend confiance. Non seulement ils prennent confiance dans eux-mêmes, et toutes ces occasions tout pour nègres faire recrutement pour venir plus nègres dans base. C'est occasion pour nègres acheter plus d'armes, plus munitions. Ils continuent à faire plus kidnapping, ils continuent à voler, ils continuent à détourner camions marchandises moun, ils continuent à l'aise quoi yo, ils continuent à gagner plus alliés tout et puis sortant de là à avoyer dans la République. Plus victimes. Plus moun ap kouri kite kayo, plus viol collectif, plus assassinat, plus kidnapping, plus crime en dedans la République. Autorité yo là. Et jour ouais Frantz Elbé commence prend humiliation, ça pas quoi rien. Moi même ça t'a fait la République plus plaisir, c'est ta ouais Ariel mette Frantz Elbé camper sous place publique, souffler tel déshabiller ou bien retirer grade blanc sous lui comme DG la police. Parce que à un certain moment, il faut une nécessité pour dire place ou pas là encore. Ou échouer trop, ou cumuler trop, échec. Résultat, c'est échec. Résultat, son police déstabilisée, son police qui sous route crasée. Faut une nécessité pour dire place ou pas là, ou pour aller, ou démissionner. Nous pas obligés vicieux grand, ou remettre l'argent comme ça, remettre position comme ça. Et ça qui passe la carrière hier soir là, son exemple qui clair. Son exemple qui clair que pas gagné bon terme entre Ariel Henry avec DG la police Frantz Elbé. Te gagné un conseil des ministres qui organise la carrière dans Musso, dans résidence officielle là. Et conseil des ministres il organisé, mais gagné tout une réunion qui t'a fait sous question sécurité. Gagné responsable Udmo, responsable Simo là, DDO là et puis côté DG la police Frantz Elbé. Côté Frantz Elbé pas invité. N'a fait réunion sur sécurité, n'a fait réunion pour nous river mettre plan stratégique en place, pour nous river et mettre un plan campé pour nous traquer bandits, dénicher bandits, etc. Et puis déjà la police pas assister à la réunion, qui parle ça? Qui parle en pile ça? Donc là, si ça pas on réponse directe que le gouvernement envoie ou que le pas envie collaborer, il pas envie continuer travailler avec ou encore. Faut qu'on ait nécessité ou même pour dire place ou pas là. Place ou pas là. Parce que c'est pas comme ça nous allons rétablir sécurité en dedans pays. C'est pas comme ça nous allons mettre les policiers en confiance. Nous, non, moment on a parlé à tout, on a un incident qui arrive avec le premier ministre Ariel Henry. Un incident qui arrive, semblerait-il, il y a un problème courant, pas un courant pendant un petit temps, et puis sortant de là, l'armée braque les armes sur les policiers. Ou finit par comprendre, Ariel Henry l'aime dit nous Ariel sensible pour sécurité. Ariel sensible pour sécurité, nèg la mais yo gete braqué zam sous policier parce que yo pas connaît ça dans tête policier, yo pas connaît ça qu'a passé. On ti panne courant de quelques secondes. Nèg la mais yo réagi comme ça. Dans sécurité Ariel Henry, Ariel pas bay policier garantie sécurité, c'est nèg la mais qu'a garantie sécurité Ariel Henry. Donc même là où les policiers dans le cortège, c'est pour la galerie. On va prendre, c'est pour amuser la galerie, mais vraiment cap sécuriser Ariel Henry. Non seulement Ariel, il est mon étranger, il est entre guillemets moi-même qui considéré comme des mercenaires étrangers qui dans sécurité, mais c'est plus nèg là mais vraiment qui a sécurisé Ariel Henry. Ariel Henry lui-même il décide de prendre précaution. Ça qui arrivé président Jojoa. Nèg yo pas vle, Ariel pas vle pour le rivel, pour le pas passer même avec Jovenel Moïse parce que là faut que moi dis nous tout, il y a un commissaire au gouvernement Jacques Lafoton qui décide pour mettre l'action publique en mouvement contre et ils ont considéré comme des intrus, vous comprenez? Policiers ça qui étaient à la carrière Henry, qui étaient à laisser et vandaliser, qui étaient à laisser rentrer pour te bourrer la carrière Henry, ils préparent là, c'est j'ai à préparer pour mettre l'action publique en mouvement contre yo, poursuivre yo, arrêter etc. Donc nous comprenons dans qui pays nous est. Chaque monde a une priorité, le gouvernement a une priorité, PNH et DGA a une priorité, et scandale qui pire, non seulement DGA a une compagnie sécurité plus, maintenant on des responsables à ASPA, agence de sécurité, qui lui-même, qui, comme si qui vient à sauver la face, il fait qu'on est que notre déformation le tévo et Lionel Lazarre qui c'est responsable Singapore dans syndicat la police, c'est pas un note qui pour te suivre sur réseau et pas un note pour te partager avec l'autre journaliste l'autre monde parce que son bagage privé le dé mais kounyeyan et nèg ça qui dans la police qui est syndicat qui est agence de sécurité yo senti comme si li vient senti nèg ça représente un menace pour lui parce que li mette information dehors nèg yo pas de vle connait bagay agent sécurité ça nèg qui dans état major la police nèg qui agent 1 agent 2 18e 19e promotion gagne agent sécurité yo bagay ça tellement aller loin m'a gagne information qui vive jeune moi comme quoi que DG Frantz Elbé qu'on utilise blende de la police yo avec nèg secteur privé moun commerçant de grands commerçants qui besoin passer marchandise etc. Kounyon vinn a poser des questions l'autant de blender a fait job dans Canara est-ce que policier ça qui dans blender cap et sécuriser convoi yo est-ce que c'est sous l'ordre DGA ou fait est-ce que c'est sous l'autre nèg en deux d'institution la police qui gagne charge de sécurité ou fait nous pas connaît tôt ou tard m'espérer que vérité après la rue parce que ça cap passer en dedans pays là li trop gen trop bagaille n'a réfléchi. Il y a trois bagailles pour n'a penser sur yo, il y a trois bagailles qui veulent porter nous aller en dedans pays parce que ville senti haïtien qui a vivre en dedans pays ça et non bouchon requin nous. Nous tout en dedans bouche requin. C'est seulement requin qu'on veut fermer boucher avec nous pour nous disparaître. C'est seulement ça pour qu'on arrive. Mais après ça, sécurité, nous bien net, nous baise ça yo, c'est sous compte bandilier. C'est sous compte bandilier. Et tôt ou tard, Jean ouais nèg yo a pas attaqué commissariat, sous commissariat, ou bien pourtant de Luxon dit, chef gang Luxon ça vient dire, c'est commissaire, bien c'est inspecteur, ou bien pourtant de Vitelòm dit, c'est premier ministre, ou bien président lié, ou bien pourtant de Iso, c'est juge, ou bien parlementaire, sénateur, député, parce que c'est ça. Ils sont pas comme ça, mais c'est triste, c'est son triste réalité. Mais pas trop longtemps nous pour nous dire tout, c'est une triste vérité parce que pas grand rien nèg décidé de faire pour finir avec problème gang avec problème insécurité qui a ravagé société. Je vais quitter nous avec Steven Benoît matin là qui présente un diagnostic sur la situation pays qui parle en paquet de paroles et qui est intéressant, qui me trouve qui est intéressant. Bon, moi, je ne vais pas faire de commentaires, je vais faire sur. Je vais quitter les commentaires là, non, mais nous connaissons, nous aimons ça, nous connaissons, nous prenons plaisir. Et pour nous faire commentaires, et surtout dans le dossier qui concernait, et accord Montana, qui concernait des politiciens en Haïti. Donc, interview, on était réalisé matin dans Magic 9, panel magique. Donc, bah, toute attention, quittez les commentaires pour lui, parce que là, besoin de commentaires, yo. La bien pour le commentaire yo quitter commentaire pour premier ministre Montana qui parlait en pile cause matin là on regarder ensemble. Merci sénateur d'être disponible pour nous et nous allons parler pendant une quinzaine de minutes sur cette conjoncture là et nous avons commencé l'interview sur situation et sécuritaire là et qui je ou même et comme politique et comme premier ministre élu à Montana qui est tout fait sur situation de sécurité qui a prévu dans le pays à moment parler. Bon, sécurité à d'abord, c'est le gouvernement qui est responsable de la sécurité. D'abord, il faut rappeler la population que le chef du CSPN, c'est le premier ministre. Et depuis tantôt 3 ans, nous voyons que la situation sécuritaire a été contrôlée. Et depuis le monsieur Ariel Henry monté comme premier ministre, comme chef CSPN, une plus grosse victime, c'est la police. 78 policiers mourir depuis 20 juillet 2021. Donc, depuis le Ariel Henry prend pouvoir d'assaut, et parce que n'est pas éligible, et nous connaissons une nomination inconstitutionnelle et illégale. Donc, depuis le prend pouvoir d'assaut, il y a 78 policiers au moins. Parce que il y a devenu. Mais 78 policiers qui mourent assassinés de janvier 2023, au moins, j'ai bien dit au moins. 14 policiers qui sont morts, confirmés, il y a au moins 2 autres qui portent disparu, nous ne savons pas si on mourit, nous ne savons pas. Donc, et si nous prenons l'année 2021, pendant Ariel là, il y a 1615 personnes qui sont assassinées, parmi lesquelles 13 femmes, 19 filles, et en année 2022, il y a 2183 personnes qui sont assassinées, parmi lesquels 163 femmes, 22 petites filles, et kidnapping à la hausse, année 2022 seulement, il y a au moins, j'ai bien dit au moins, parce que pas tout le monde a compté, 1359 personnes qui sont victimes de kidnapping, parmi lesquels 294 femmes, 23 petites filles. Chiffre ça n'est pas chiffre pour vous en l'air, c'est chiffre BINU, BAI, dans les Nations Unies. C'est même si il faut la songer éclairée et RNDDH répété. Donc nous-mêmes, nous avons bail chiffre officiel. Et pour nous, son catastrophe, l'on va pour arriver, il y a des gens qui pour payer pour casser. Et en principe, c'est chef police qui montre que n'est pas capable. C'est chef CSPN. Et le président et les vice-présidents du CSPN, là, on a parlé de Premier ministre Ariel Henry. N'a parlé de ministre justice, n'a parlé de ministre intérieur, et n'a parlé de chef police, inspection générale. Donc, il y a 5 personnes qui sont dans le CSPN. Normalement, si c'est nous qui te respecter, tous les 5, c'est supposé présenter des missions. Et qu'on on va dire, nous présenter des missions par pièce. Là, encore, sur l'autre question qui m'a dit en pile analyse. Mais au moins, je dis à nous conscients que il y a des gens qui ont des affaires, ils ont montré qu'ils sont incapables. Ils ont montré qu'ils sont incompétents. C'est ça qui est grave là. Au niveau de l'Ariel, ils ont montré son monde qui est cynique, son monde qui est sans cœur, son monde qui est sans pitié. Nous avons dit son monde qui haït, peuple haïtien, parce que je veux dire là, ça peuple là a subi. Et où est M. Henry? C'est cette compassion la parler vendredi soir, tout le pays a arrêté bouche ouverte. Mon monde, en 6 minutes qui parlait, et personne n'a pas compris ça. Finalement, on peut commencer à poser cette question. Est-ce que monsieur a thème? Est-ce que t'es dit bon? Et moi-même, question ça encore, une question posée, comme le docteur Mbara répond, mais le docteur dans le discours de monsieur ça, et nous voyons que gros problème sérieux à la tête de pays. Donc, insécurité, c'est plus gros problème de Haïti aujourd'hui, mais malheureusement, les gens qui placent, qui pour adresser ces problèmes, ils ont montré que ils sont incompétents, ils sont insouciants, et nous disons même qu'ils sont méchants. Et qu'on va pour faire. Jeudi, après la mort et 6 policiers dans le cours, il y a un gros levé campé dans Port-au-Prince et dans la ville provinceuse. Ces policiers qui étaient à la base de levé campé ça, ils ont boulé caoutchouc, ils ont fait plusieurs attaques sur le bureau pour le ministre, sur la résidence, dans l'aéroport international de Saint-Ouverture, dans le salon diplomatique et l'aéroport là. Et une grande opinion par rapport avec le levé campé ça, que la police a été fait et jeudi et dans la forme levé campé à tout. Bon, avant de répondre ça, permettez-moi de faire en premier, c'était présenter condoléances à famille, amis, alliés, policiers qui assassinés et qui disparaissent, et présenter ces parties tout à plusieurs dizaines d'adhésions qui l'hôpital, perdu bras, perdu chien, perdu pied, etc. Donc, mes condoléances et ces parties sincères à famille, amis, alliés, policiers. Maintenant, ou gagner un leadership, nous sommes expliquons, qui n'est pas capable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le leadership n'est pas capable. Maintenant, troupes, policiers, ils sont mécontents, même avec la population, nous tous mécontents, nous tous indignés de ça qu'a fait là. Mais même dans le commandement des policiers, tous mécontents, entrer en grève, ou bien doit dire ou pas travail, ou bien doit dire ou bien doit avoir un petit bal d'homme, si moun qui en l'or yo pas démissionné ou pas de travail, tout ça est normal, c'est ça la démocratie. Mais affaire pour bloquer la rue, empêcher pratiquement si moun à l'école, empêcher moun à le travail, prendre les machines moun et bloquer la rue, craser vite machine, craser business moun, entrer dans zone qui supposée zone qui plus stérile au monde, qui c'est aéroport et faire des zones d'aéroport, même recondamner énergiquement, c'est pas façon la plus, c'est pas façon normale là pour des policiers et protester contre mauvais traitement. Et moi-même d'accord avec eux, traitement, il y a des policiers depuis création police là, pour moi, c'est inacceptable. Salaire là inacceptable, traitement inacceptable, armement inacceptable, équipement, sous-équipement inacceptable, training là, et entraîner nos policiers dans 3-4 mois, ça va faire aucun pays, c'est minimum un an pour entraîner nos policiers normaliers et un salaire policier, l'ordre by policier, l'équivalent de $200 américains par mois, ou mandel pour la rentrer dans mauvais affaires. Donc, même tout ça, moi-même, je condamné, et moi-même, depuis le montrer dans le Parlement, je promets tout ça. Même affaire mandée pour policiers qui travaillent 12 heures par jour, dans aucun pays au monde, nous ne travaillons pas 12 heures par jour. Nous travaillons 8 heures par jour. Si vous avez une force majeure, vous pouvez faire un extra pour 2 ou 3 jours qui peut mettre la 12 à 14, même à 16, c'est ce bagage est rapide, c'est 2 ou 3 jours. Donc, moi-même, je dis aux policiers, c'est comme ils attendaient, je dis qu'ils ont le droit de manifester des contents. Mais, les gens pour faire, c'est pour respecter le droit de l'autre monde qui est dans la rue. Donc, si le monde qui est victime, il perd du machine, il perd du vide machine, il y a même à cause de tapage dans la rue. Lycéens prennent la rue, collégiens prennent la rue, ou tendez étudiants et écoliers qui mourent, qui prennent coup de roche, qui prennent coup de lame de vite, etc. qui apparemment ont au moins un mort, c'est collège canado-haïtien qui au moins recensé un mort, et il y a plusieurs écoliers qui sont à l'hôpital blessés. Nous ne pas dire politique blessés, mais à ça, comportement qui provoque une panique totale, et résultat panique totale là, je dis à nous avons des gens qui mourent, nous avons des gens qui sont blessés. Donc, moi-même, je pense que nous avons droit, c'est encore une fois, prononcer les contentements publiquement, mais nous avons pour faire. Et je dis à là, nous tous, nous avons des violations. Et tout le monde de CSPN, ils ont violé la loi en vigueur au pays. Les policiers ont le droit de décider, porter plainte. Et si on juge, il a complètement ou bon, ou le droit. Peut-être le faire, même procéder à arrestation, nous conseil qui fait des zones. Mais attaquer l'aéroport, attaquer la rue, machine, d'ailleurs, moi-même, un diplomate de Bahamas, c'était même faire des machines, faire le bras à pied. C'est une bagaille inacceptable. Dans tout pays au monde, tout pays qui respecte cette loi. Donc, même là, encore, les policiers, ou qui doivent manifester, mais bon, j'ai fait. pas fait innocent payer pour coupable, parce que bien coupable, on est là, on pas venir tourner à partir de comportement répréhensible, ou venir tourner l'autre coupable, ou l'autre bourreau, en plus, pour population qui a souffri assez, et population, ni côté pas politique, mais s'ouvre les populations, continuer à camper bon autour, ou pas qu'à faire acte contre population paisible là. Donc, il faut comprendre que la première mission, c'est protéger et servir. Et protéger et servir, c'est toute population pour protéger et servir. Parce que les gens qui n'ont pas fait des actes répréhensibles, et d'accord, ils sont répréhensibles, mais on est là pour pas pour venger, pour montrer mécontentement, c'est sous petite population, ou bien sous business, ou bien sous propriété privée, pour faire, pour passer colère ou rajout. Pour mes contentements. Donc, je dis policiers, et repenser les prochaines lignes d'action. Nous connaissons qui est cap maltraité nous, nous connaissons qui est cap violer la loi pays, nous connaissons qui est cap ban nos mauvais traitements, porter directement par les gens, mais tant pis, épargner la population paisible qui n'a rien pour un mauvais traitement supérieur hiérarchiquement à nous. Madame, et directeur général de la police, la Frantz Elbé, il a plus passé 1 an depuis qu'il prend fonction. Dans le moment où il a pris fonction, il a fait plusieurs promesses, et notamment pour résoudre des phénomènes et gangs armés. Il a promis notamment pour te libérer Matissant, plus passé 1 an après. Non seulement Matissant toujours contrôlé par gang armé, mais il y a l'autre route principale, notamment et Canaan tout, qui est contrôlé par des gangs armés. Tout à l'heure, on saute des chiffres sur le nombre de monde qui mourir, le nombre de monde qui kidnappé, et que bidon est partagé. Qui j'en ouais leadership et Frantz Elbé dans tête la police? Non, Frantz Elbé montrait qu'il parle à la hauteur, mais qu'il y a un bon policier, mon bas, un bon commandeur chef. Je sais mieux ça que le monde va faire. D'ailleurs, dans tout le pays moderne, un commandeur ou officier supérieur, il prend entre 3 et 4 ans pour le former pour un seul officier. Et puis maintenant, pour officier supérieur, je m'arrête qui prend 10 à 15 ans pour officier supérieur, mais pour officier seulement, il y a des cours de leadership pour prendre dans l'académie. Et que je sache, la police nationale, là, jusqu'à présent, pour que jamais est construit et aller voir inaugurer l'académie. Donc, c'est un pile policier, malheureusement, qui soit entre les rangs qui viennent commissaire, mais pour qu'on gagne vraiment, on dit, à part de peut-être il y a peut-être 20 ans, 15 ans, il y a un ancien officier de d'Haïti qui devient automatiquement commissaire de police, écoutez un résultat, mais je dis, à part quelques exceptions, c'est gagné, je ne vais pas citer non pour ne pas faire des jaloux, mais il y a quelques chefs de police qui m'ont tête là, que me voté, que me ratifié dans le Parlement, qui débaillent les résultats, mais c'est 20 ans d'expérience qui étaient dans des positions, et c'est nous, on ne va jamais donner rien sur eux, mais on dit tout, c'est nous, justement, qui est ratifié dans le Sénat de la République là. Donc, c'est là qu'il y a une opportunité de garder le dossier, quand des plaisirs qui y en avait, et garder côté. Et garder les radios patrimoniaux, garder tout circuit qu'ils ont fait en tant que policier. Et là, c'est moi qui l'ai fait 20 ans. Et le ça, en toute quiétude, en toute sérénité, où est-ce que là, c'est ratifié, ça, il est pour ratifier. Là, je dis à M. Elbé, que je ne vais pas rencontrer, pas le connaître non plus, mais M. Elbé, c'est un policier et qui, je comprends, un chef AI. Dans tout pays au monde où on entendait un chef lavé, il y a 4 ans depuis 2019, Haïti, tout au état-major la médaille, Haïti, au état-major la police, Haïti, et c'est une opportunité pour commander l'autre de passer dans le Sénat parce que les autres nommés en 2019, et le président Jovenel était nommé en 2019, il y avait le Sénat existait encore, la Chambre des députés était encore en fonction. Donc je dis à là, c'est ça, l'heure où fait lorsqu'il y a un crime même ou fait, ou bien un désordre ou fait, et puis société apparaît le jour même, ou bien le mois même, et puis 4 ans plus tard, je dis à un paquet de monde, et là, on quand même parler de Banque Centrale, le BNC, etc., un paquet de monde AI, donc ce paquet de monde qui va verser une parfaite sur nous, et par la place, ils sont inconstitutionnellement installés, ils sont illégalement installés, et je dis à ce résultat ça. Et nous sommes encore plus troublés, le map nous rapport, et M. Sinapo a aussi, c'est vrai, côté que chaque police a une compagnie de sécurité, et il y a plusieurs regradés, plusieurs commissaires de police qui ont une compagnie de sécurité. Et là encore, le problème de déontologie qu'il a, dans ce droit, sous la police là, il clairement dit, un policier, et madame, épouse, pas de droit, de business, pendant que policier, là encore, sous ce rapport, ça, M. Elbé, et tout commissaire, tout policier qui gagne compagnie de sécurité, qui gagne pour un choix, ou bien il démissionné de portion, je me supposais que l'autre business rapportait beaucoup plus propre, et puis pour aucun business. Mais là, mon problème de déontologie sérieux qui posait, et je pense qu'à la plus prochaine conférence de presse, comme apparemment c'est le week-end même, ouais, et l'autre Singapore a sorti, je pense que M. Elbé a une explication pour bail. Est-ce que oui ou non, il y a un combat de sécurité? Si la réponse est oui, il gagne sans. Pour remettre, sans délai pour remettre des missions. Et on dit tout. Le premier gang en 2011, parce que les premiers gangs, toute gang a parlé là-haut, ils ont formé à partir de un président de la République qui a décidé que la privatisation 50 ans de pouvoir, qui a armé un paquet de jeunes, et ils ont parlé, ces vidéos là, ils ont viral, ils ont dit ce président X qui te baille aux âmes, qui baille au premier M4, au premier Kalachnikov, au premier R15. Je dis, donc, je dis à là, c'est le même régime ça, depuis 2011, qui a armé des jeunes à travers tout le pays, surtout dans la zone métropolitaine, qui ont décarqué des pouvoirs, au pensé au bal préélection, même j'ai été baillé, j'ai fait un cadeau en 2011. Non? Donc, mon préparation a fait. Donc, je dis à, pour nous faire, l'insécurité, elle n'est pas sortie dans ce ciel-là, elle est tombée. C'est un groupe de monde qui crée l'insécurité. Et n'a pas parlé de président de la République, n'a pas parlé de premier ministre, n'a pas parlé de ministre. N'a parlé de mon secteur privé, n'a parlé de députés, des sénateurs qui arment les gens pour le cas perpétuer notre pouvoir. Je dis à, si trop facile pour on identifier les gens ou vous prendre sanction contre lui, et c'est sur le Canada qui a fait travail ça, vous félicitez, mais vous m'en passez. Parce que vous faut dire les gens, gang, pour action publique, mettez un mouvement contre les gens. Nous ne pas le gouvernement fait rien. Pourquoi j'aime bien un monde qui fait tout bon. C'est le cap. J'ai même gagné là-dedans. Je suis gagné là-dedans. Effectivement, depuis 2011, j'ai fait ça. Même pas ouais, action publique, c'est un mouvement contre un monde. Et donc, le problème était entier. Tout autant pour gagner action publique, pour tout autant que le monde cap bail d'armes, cap bail munitions, cap de tout, qui on a voué comme bail gang. Parce que là encore, il documenté, il y a des conseillers. Le président, il est qu'on descend avec gros bois, comme gros valise, comme distribué, comme bail chef gang dans bidonville, et bail bail. Et encore une fois, tout ça est très documenté, et je suppose que nous vérifions toute documentation ça. Donc, tout ça, c'est autour de disposition où l'État responsable, j'ai bien dit responsable, on ne va pas de monde qui l'a, où l'État responsable, c'est nous qui est en plein, c'est depuis même 2011, 2012, contre Mounsaïo. Donc, nous quittons barré là pourri. Nous avons aujourd'hui là des milliers de jeunes femmes, kidnappées et violées à répétition. Et nous ne pouvons jamais prendre le chiffre exact. Combien de gens qui mourent de 2011 depuis le régime PHTK pour le pouvoir à 2023, 12 ans plus tard. Et c'est autant de challenge que le nouveau gouvernement transitoire va gagner pour faire face à eux-mêmes. Parce que je dis à clair. Et le clé pour toute population, Mounsayo, qui l'a au petit monde d'affaires, qui n'a pouvoir, n'a pas de PHTK, troisième version, ils ont montré non seulement ils sont incompétents, non seulement ils ont montré, nous connaissons déjà, ils sont illégaux, ils sont inconstitutionnels, et côté OIA, mais ils ont montré tout, ils sont illégitimes, parce qu'ils ont des cas illégaux, inconstitutionnels, et puis ils viennent à partir du travail, ils viennent acquérir une certaine légitimité, mais ils ont montré qu'ils sont illégitimes tout. Mais il y a le plus loin, il a montré que ils sont méchants, ils sont incompétents, et puis, par-dessus tout, ils sont corrompus. Donc, c'est tout. Sénateur Benoît. C'est bail de mission parce que lui montrer lui pas à la hauteur de tâche de commandeur chef et la police. Sénateur Benoît, vous sentez-vous que tout à l'heure il y a possibilité pour Frantz Elbé taguer une compagnie de sécurité, son dénonciation qui fait pendant le week-end là, et me songer c'est Premier ministre Ariel qui était choisi et qui était nommé Frantz Elbé directeur général de la police nationale d'Haïti. Donc si c'est s'il t'a avéré effectivement que M. Elbé tagué une compagnie de sécurité, donc pas de on travail de vétérine qui était fait sous lui avant que Premier ministre était choisi. Eh bien, c'est dans le cadre de ça, oui. Monsieur PHTK, troisième version, t'es pas de faire élection. Je t'ai éliminé par le moment, justement pour travailler bête si pas fait. Ou est-ce pratiquement éliminé judiciaire là tout. Pour que nous sommes d'abord un président. Pour qu'on dit. Bon, président lui-même, malheureusement, j'ai bien dit malheureusement, il a été assassiné par ses amis. N'espérez que éventuellement. Bon, le CPJT m'a eu premier rapport, deuxième rapport, m'a jamais parlé parce que sous pression, plus fort, technicien de CPJO prend la fuite, ou prend exil parce qu'il était menacé de le tuer. FBI, lui-même de son côté, il a un rapport pour le bail, la Chambre des représentants américains le 1er juillet 2022. Nous remarquons que Maïs a croqué tout. Bon, supposez-nous un bout qui ça, il coquait, le rapport m'a jamais parlé. Donc, malheureusement, j'ai bien dit malheureusement, parce que nous avons une position avec, mais maintenant, nous avons affecté le monde, même, nous avons parlé au monde, nous avons parlé de l'idéologie au monde, nous avons politiquement opposé au monde, mais j'avais dit pour le monde mourir. Donc, moi-même, jusqu'à présent, j'attends que M. Jovenel Moïse gagne et gagne justice. Mais pour nous dire, son bagage qui sale la journée, il provoque et pour M. Mantelli et pour M. Jovenel Moïse, qui devait qu'il y ait des pouvoirs à vie. Et le monsieur Jovenel Moïse n'a pas fait élection pendant toutes 4 000 faire, pas une seule fois il n'a pas fait élection. Alors que le premier tiers Sénat pour faire élection pour lui, il est le deuxième tiers pour faire élection pour lui, député Sénat, député magistrat, etc. C'était à l'effet pour justement, pour un seul monde qui a décidé, et nous, M. Ariel, dont non cité, parce que après ça, non assassinat et président, ou est-ce que je dis à la. Lui seul met à bord, lui pas rien judiciaire, lui pas rien parlement. Donc je dis à lui qu'à nommer n'importe monde ambassadeur, d'ailleurs tout ambassadeur illégal, lui qu'à nommer n'importe monde juge tribunal de première instance, lui qu'à nommer n'importe monde juge de paix, lui qu'à nommer n'importe monde juge à la cour d'appel, et pas les monde qui a dit rien. Et je dis à là, justement, nous disons à là, nous gagnons une armée qui pas rien loi organique, depuis la police a créé directement loi et directement loi organique l'armée d'Haïti et d'y tomber parce que Paul Dao maintenant qu'on pourrait déposer le parlement donc ou gagne un coin à major la police d'Haïti l'armée qui pas de loi organique donc ou gros équipe on acquis mais pas remarquer que l'armée a pas un caporal il pas un lieutenant pas un capitaine il pas un major il pas un caporal il pas un vice-caporal donc et on connaît l'armée base l'armée c'est sergent donc on va connaître ces gens là derrière on va connaître donc on a tout le problème d'ailleurs là, et encore une fois, je dis qu'il pourrait résoudre. Mais tout autant, ou pas un parlement finalement, M. Elbé a continué, et M. Henry avec M. Elbé a continué faire ça au vrai. Et normalement, je dis à un rapport important parlement, et comme même le Sénat, c'est un dernier lieu, si le Sénat est là, toujours, ou t'as pourrait taper la pièce en un. D'ailleurs, M. Ariel n'a pas passé comme premier ministre, puisque Bagnet d'échange, il était ministre 2 fois. C'est une. 2, nous n'avons pas cité comme bon président, il est là toujours comme premier ministre. Et 3, nous n'avons pas une position pour nommer et chef police. Et chef police, à lui-même, il a pris le bas, il a pris un vesting rigoureux, il a pas le fait. Et pour nous apprendre, est-ce que effectivement, pour éligible, pour être chef de la police. Mais je dis à là, ou accusation là, mais pas aucun monde qui a posé cette question. Parce que pas de monde, pas aucun pouvoir qui debout. Mon seul pouvoir, c'est le royaume de M. Henry, parce que lui-même, je dis à pas aucun monde pour pas explication. D'ailleurs, où ça le fait? C'est l'armée d'Haïti qui a marché derrière nous. Je dis à là, c'est pour la première fois dans l'histoire d'Haïti que nous avons quitté l'USP, nous avons quitté l'USP de côté, il quitte le CPM de côté, et puis apparemment, c'est M. Lamélaï qui a passé d'elle. Est-ce que c'est vrai? Et qu'on a question, est-ce que c'est vrai militaire? Qui est-ce qui chef de sécurité? Quand cap marché derrière pour les ministres, c'est autant de questions qui n'ont pas de réponse et malheureusement, pas de monde dans le pays qui a convoqué M. Henry, sauf des tuteurs internationaux qui a dit M. je ne suis pas d'accord à ça, je ne peux pas faire ça, baisser tête ou saluer, pour baisser tête ou net, ou bien net ou saluer, c'est pour ça que ça lui est pas pour lui. Donc je dis à la société haïtienne, lui prend en otage pour tout le monde. Qui n'a encore une fois aucune légitimité que d'avoir des partenaires internationaux nommés, à tolérer, et par contre juste combien de monde encore qui pour mourir, combien de milliers de monde encore qui pour kidnapper, qui pour violer, pour y'a que pour les gens, moun yon mette là, pas capable, finalement, son monde sans cœur, nous mettons encore monde qui sans cœur, qui sans sympathie, qui sans compassion, qui ne pas comprendre ça la faire d'ailleurs. Et pour qui ça, est-ce que son haine communauté a gagné de peuple haïtien, de Haïti, pour c'est ça, nous banou, et même demander, moun kal signé, femmes et garçons, kal signé à quoi 21 décembre, est-ce que un job, un pouvoir, qui pouvoir, ou machine neuf, avec, on est fait comme, vous mettez ça au-dessus de pays, vous mettez ça au-dessus de 12 millions haïtiens, je dis, qui pas qu'à quitter la caillou, qui pas qu'à le travail, qui pas qu'à l'université, si écolier, pas qu'à l'école, moun peur, c'est-à-dire que le monde sort là où il y a qu'on en bouchou, parce que ou à sortir, ou pas qu'on soit privé contre à la destination, et l'arrive à destination, qu'on a fait retourner encore dans le lieu d'origine, là encore, on va même connaître soit qu'à rentrer la caillou. Donc, est-ce que c'est ça, communauté nationale là, je l'ai pour peuple haïtien? Si c'est ça, on dit nous, ou à faire nous payer de respecter des 1804 là, et je veux dire, ou décider pour priver le peuple haïtien, pour faire nous payer, et puis là, ça, on a compris que, ok, effectivement, il faut nous tourner encore en esclavage, et là, ça, on a compris qui est qui vrai ennemi haïtien. C'est là, ennemi numéro un pays, clairement identifié, c'est M. Ariel Henry, et moi-même, je demande encore, je demande la semaine passée, mais pour demander encore, pour lui démissionner, faire geste symbolique ça, démissionner, pour consensus, pour haïtien, jouer une consensus, pour nous mettre en tradition coupée fâchée, pour nous avancer, pour nous mettre l'ordre des autres. Et moi, le pire, M. Sénat, et je me dis, je vais me dire, pour la tout. Moi-même, je dis, M. Henry, c'est pas retirer quoi, on l'autre monde font coup. Moi-même, quand je parle avant là, moi prêt pour me démissionner comme Premier ministre Montana, si M. Ariel démissionne jeudi. Et si vous voulez faire avant, même après l'avant, même. Ce jeudi là, il y a des sacrifices qui sont faits de part et d'autre. Et nous-mêmes, dans Montana, jusqu'à jeudi, au moment où on a parlé là, nous sommes conscients que c'est la meilleure proposition de sortie de crise qui est sous table là. Et nous-mêmes, dans Montana, il n'y a aucun monde qui est obsédé par le pouvoir, par la richesse, par le gain facile. Nous-mêmes, c'est un projet de société, nous présenter la population, nous pas dire seuls nous gagner, mais nous dit, jusqu'à où on a parlé là, nous croyons pas nous, c'est le projet Mondana qui, nous croyons qu'il y a plus de monde qui adhère avec elle, et nous croyons que la société a accepté le projet. C'est un projet de monde, et pas monde n'a pas son projet n'a pas. Comme en général, on a bon projet, nous toujours demandons, oui, mais qui est-ce qui a porté le projet? Nous-mêmes, nous faisons élection, au deuxième degré, bien sûr, démocratique, et il y a plusieurs candidats, et les gens qui étaient éligibles pour voter, ils étaient choisis deux gens, une pour président, une pour premier ministre, encore une fois, bon, merci, les gens qui étaient votés, et même les gens qui ne votaient pas, mais c'est quand même pas décevoir. Donc, nous-mêmes, Mondana, projet là, toujours debout, mais nous prêts à moun, à citoyens patriotes honnêtes qui dans le pays, pour nous continuer à parler avec eux, pour nous ouvrir, pour qu'on soit encore plus large, pour nous finalement, pour nous arriver notre transition coupée par chez ça, que le peuple a peine. C'est ça là, M. Sénat, l'inacceptable, le peuple a pas capable encore. Ok. Maintenant, nous avons deux ou trois points pour nous aborder très rapidement, avant de mettre fin avec l'interview. Et nous avons parlé de, nous allons retourner sur l'accord 21 décembre tout à l'heure. Nous avons parlé de insécurité qui est dans le pays. En octobre dernier, pour le ministre, là, eh ben, il était fait, on demande une assistance internationale de sécurité. Et qui, on comprend, et plusieurs mois après, que la communauté internationale là toujours indécis, et par rapport avec demande que le gouvernement était fait, est-ce que d'abord tu es d'accord avec les demandes à l'assistance internationale là, et qui, ouais, et comportement, et communauté internationale là par rapport avec demande ça? En tant que législateur, qui fait 10 ans dans le marché loi, donc, m'obligé qu'on continue son parquet, article de la Constitution qui baille prérogative Premier ministre et Président, il est très clair. Dans l'article 39 là, il est clair. C'est le Président qui a prérogative signer accord, convention, traité avec l'international, après ça pour soumettre le Parlement pour ratification. Bon, des autres qui ont fait dans le pays, et jusqu'à présent, ça a tout fait en 2004, des gros présidents de transition, ou bien provisoire, des gros Premier ministres. Le rapport des ministères en juin 2004 en Haïti, président PIA, qui connaît son crime de lèse-patrie, l'IPE, ou même de haute trahison, ou même des troupes étrangères dans le pays, n'a pas de président Boniface, qui est en position de droit, il connaît pas qu'à faire ça. Il n'est pas signé. C'est le Premier ministre d'alors là, qui a signé illégalement. Et bien, d'où le Premier ministre pas signé accord traité convention, allez voir, n'importe accord, on a allé voir. Ou demander aux troupes étrangères envahir le pays en quantité suffisante sur tout le territoire. Donc, ils demandent aux occupations étrangères du pays. On me dit, sous aucun prétexte, nous ne parlons pas d'occupation étrangère. Montana dit nous-mêmes, nous d'accord pour une coopération. Et coopération, pour le faire, c'est au président qui c'est ça que nous-mêmes nous toujours camper, et nous ne pas changer de position. Nous-mêmes, nous avons besoin du gouvernement bicéphale. Parce que la Constitution, 47 là, c'est pas oublié, son sac là, sont faux. Mais même si pour contre, on va continuer de dire, parce que les preuves sont là, palpables et irréfutables, il y a des sénateurs, des présidents et des députés qui étaient violés et la Constitution durant l'amendement. On quitte ça pour le moment, on a tourné sur nous l'autre jour. Parce que bouquet par la règle de ça, tout le magique. Oui. Et on compte ça, et pour ça, on ne peut pas changer. Maintenant, un Premier ministre qui demande avec 18 ministres, pour ne pas cacher des premiers ministres, non, un Premier ministre à 18 ministres, ça, ils ont fait un crime, ils ont commis un crime de haute trahison. Tôt ou tard, 19 personnes, ça, et ambassadeurs qui montaient en dedans au EA, qui n'ont l'ONU tout, qui continuaient illégalement faire lobby sous document illégal, inconstitutionnel, ça, tout. Yo même tout, yo commet une crise et un crime de haute trahison et ambassadeur ça. Yo clairement identifié tout, yo gagné pour payer ça un jour devant juge naturel. Donc nous-mêmes nous dit ça, monsieur Amandéa là, ça, ou Henri Amandéa, il est calme, il a une qualité, il a ni site ni qualité. Montana a prôné une coopération. Et même quand parler peut-être moins, moi-même me préférer, comme j'ai expérience de ça, je préféré une coopération bilatérale à un pays. Clairement, que nous avons identifié. On dit Canada comme un rapprochement de langue, de culture avec Canadiens, et même d'ailleurs, depuis 2014, ça fait 29 ans, qu'il a entraîné police nationale. Ou qu'il doit signer un accord bilatéral avec Canada, mais là encore, je dis que c'est au président pour signer, et accord là, tout accord traité convention, il faut publier dans le journal officiel, le salab dit exactement qui ça dans l'accord de coopération, si c'est armement, si c'est training, et pourquoi pas, si gagne des policiers ou gendarmes, parce que c'est gendarmes du royal, si c'est des gendarmes qui ont des cabines sur le territoire, sous zone, l'État haïtien, sous zone, en coopération avec un chef de police, clairement identifié et malheureusement ratifié, et si l'armée a Québec avec des commandants que clairement qui ne pression. Le ça, ou qu'à faire coopération avec des troupes étrangères, mais à faire pour 2, 3, 7 000 personnes débarquer là. Sri Lanka pour bagaille, Népalais pour bagaille, Américains pour bagaille, Canadiens pour bagaille, Africains pour bagaille, Jordaniens pour bagaille, finalement, il y a 70 unités chaque monde dans la zone a fait ça au blé, et si police haïtienne lui-même, sans armement, sans équipement, leur opération a fait, l'État haïtien n'est pas au courant, la police haïtienne, PNH, pas connaît, l'armée pas connaît, nous-mêmes nous disons, nous pas nous barrer comme ça, du tout au niveau de Montana, nous-mêmes nous connaissons une coopération avec l'international. Mais c'est une coopération que l'État haïtien contrôle la coopération, nous avons deux modes d'affaires, et puis deux modes d'affaires explicité, non document, cap public, pour la population qu'on exactement qui ça nous demandait et qui ça nous voulait faire. Qui ont il est clair de ça en coopération taillée avec, exemple, les Canadiens. Puisque les Américains ont prévenu pour des raisons électorales, je ne comprends pas, mais je ne parle pas. Qui ont compris les réponses jusqu'à présent de la communauté internationale par rapport avec le monde là? Bon, c'est-à-dire que le reste, je ne pas égaré. Les Américains ont décidé que la France était écrite à faire avec les Mexicains. Maintenant, comme le Mexique pas dans le conseil, encore moins Équateur prend la relève, ils ont décidé que il y a pour tout, ils ont voulu pas tout finir, mais ils ont dit, bon, mais pas pour pas, non, pour eux. C'est pas normal. Et puis, ils ont dit, on va pour tout, mais ils passent contre l'ONU. Donc, l'ONU a pour tout, et l'ONU va rappeler pour la population, pour les plus jeunes, en 2014, le près de 1 million de monde est assassiné dans un pays préféré, c'est le Rwanda. L'ONU est là, 1 million de monde assassinés, près de 1 million. Je ne vais pas me prendre exactement, mais près de 1 million assassinés en juillet et août 1994 au Rwanda. Et c'était sous l'ONU. L'ONU n'a pas jamais dédommagé, famille, bagaille, rien du tout. Je veux dire, même l'ONU qui prend goût amer dans le bouche, plus de 10 000 Haïtiens mourir dans le choléra. Pendant que Ban Ki-moon, avant d'aller, excusez le peuple haïtien, qui était ouvert une porte pour le gouvernement haïtien demander dédommagement, mais le président de l'époque, comme il n'est pas élu, comme c'est le M. Mulet de l'ONU qui mettait avec certaines ambassades, il a dit lui-même non, ou pas rien, vous dit, au contraire, si Ban Ki-moon n'a pas besoin, ou pas besoin d'excuser, et il a dit oui, il a vérifié pour eux. Donc, lui-même, au lieu de tout profiter pour le mode de compensation pour 10 000 familles, ça y est, mais profiter lui-même, comme il était au Témétel, il va dire, et ça, noter. Et j'ai oublié ça. Le président pays qui font acte comme ça. Donc nous-mêmes nous dit, l'ONU fait pays à cet ordre, et nous demandons, je dis, nous pas qu'à retourner à la même formule encore. Nous jouons une formule occupation 1915, nous ça été bail. Nous jouons une formule 2014, nous ça le bail. Nous jouons une formule 2004 là. Il ne va pas porter rien. Il porte viol, il porte maladie, il porte l'homme du viol là, viol et soutifi, et soutifi, on va dire garçon à femme, soutifi, timoun, tifi, soutimoun, ti garçon. Et c'est ça le porte, et puis le porte choléra, et puis le porte paquet de bagaille. Et donc je dis là, et Canadien a raison, M. Trudeau a raison, nous pas qu'à faire même erreur, nous pas qu'à faire comme si de rien n'était, et que nous pas qu'à oublier échec de mission ça. Et bagaille ça qui est à cœur, et nous-mêmes, le Sénat va continuer de conduire dans le Parlement à l'époque ça, mais M. Alphonse est qu'on a à l'époque ça. De 10 ans fait dans le Parlement, chaque temps, il y a une assemblée nationale, madame des députés, même avec l'honorable député Bob Modé, de Ansavo, nous montons le tribunal, nous dit qu'il faut nous statuer sous accord illégal et qui était signé en 2004 là, que le Parlement n'a pas ratifié. Il vini comme sénateur de la République, chaque assemblée nationale qui fait, demander différents présidents de l'Assemblée nationale pour moi, au moins, le tribunal, pour moi, attirer attention collègues députés sénateurs sous caractère illégal à Consar. 19 ans plus tard, je ne vais pas dire raison, mais nous, le ministre, là, si en 2006, il était écouté, nous ne pouvons pas gagner 10 milliers et 10 000 morts, ça y est, nous ne pouvons pas faire de qui pas privé. Je veux dire, nous ne pouvons pas gagner un proconsul qui dit nous ça pour nous faire, qui mette, qui nomme Premier ministre, non, non, communauté internationale, non, non, l'ONU. Donc nous-mêmes, comme Haïtiens, il faut nous, des fois, faut société à camper pour dire non, c'est inacceptable ça qu'a fait là. malheureusement, moi, je suis CPA, de plus en plus à député, c'est tout boum, c'est d'eau, nous sommes d'accord, n'importe qui bagaille. Si moi, je suis d'accord, vos constitutions, ça, moi, je suis d'accord, et l'autre ministère là, toujours, moi, je suis d'accord des juges mal élus à la Cour de cassation qui siège pendant 10 ans, après arrêt au nom de la République, moi-même, je suis société haïtienne, sous que quoi, l'élite intellectuelle là, surtout l'élite économique, tout, mais l'élite haïtienne, toute élite, moi-même, je ne suis pas fier de nous du tout, parce que, mon paquet de barrières qui a privé là, si l'élite là, élite haïtienne, élite des années 40-50, on était campé. Parce qu'en 40-50, élite, on dit non. Là, depuis quelques temps, moi, élite là, et peut-être que parce que plus fort mon élite économique n'est pas haïtien, tout, moi, élite là, tout sont balis d'accord, pourvu que le business n'est pas crasé, pourvu que la fait $1 million, on n'est pas dit rien. Et nous-mêmes, je dis à moi que m'a utilisé peut-être un peu plus ça, pour moi, demander à l'élite là, révolter, indigner. Parce que c'est où, laisser l'élite où les gens qui sont en bas, c'est sous où ils comptent, pour écrire pour eux, pour parler pour eux, pour faire une mission pour eux, pour proposition pour eux. Je dis à la fin, ça arrive l'autre jour là, tout business c'est de fermer, banque, pompe gasoline, market, studio de beauté, pour nous demander pour monsieur Ariel Henry, baïtalon. C'est ça, oui, baïtalon. Sans violence, baïtalon. Ça, c'est qu'on fait de les années 40, 50. C'est peut-être ça, peut-être nous devons élite qui était haïtienne, c'est pour élite qui était quoi dans le pays, élite ça, je dis, demander si c'est pour élite qui a fait comme dans Port-au-Prince, qui va dépenser comme République Dominicaine ou bien Miami. Et je crois que c'est ça, je ne sais pas comme problème, non. Donc, je dis là, son cri de cœur, même après élite ça, indigné-vous, indigné-vous. Parce que je ne comprends pas aujourd'hui, je ne comprends pas demain, je ne comprends pas demain, je ne comprends pas cousin madame après demain, je ne comprends pas cousin madame, je ne comprends pas l'autre, je ne comprends pas plus du tout, mois prochain. Personne ne va à l'abri, pas dit ou non blindé, on n'est pas privé. Il y a des gens qui mourent en blindé déjà en Haïti là tout récemment. Et c'est bon monde. Et je dis, on a parlé là, il y a des bons citoyens qui baillent toute vie, on a éduqué jeunesse dans le pays, qui n'ont pas kidnappeurs. Je ne vais pas les citer non. Et peut-être pour ne pas venir me barrer là, mais nous connaissons qui est parlé. Pays à souffrir trop, pays à pas capable encore. Élite là, bâton, je vais te nommer, d'une bagaille, ou qu'à demain, ou qu'à aujourd'hui, à changer de donne, ou fermer tout pays à sous monsieur ça. Parce que monsieur n'est pas capable. Je ne vais pas être ni bon. Je ne vais pas être ni bon non-même. Mais il n'est pas capable. Il montre qu'il n'est pas capable. C'est un conducteur. Mais être bon chef de gouvernement, il n'est pas capable. Être un bon administrateur, il n'est pas capable. Encore une fois, moi, ils sont des gens qui sans cœur, sans compassion pour le peuple haïtien. Monsieur a pas de place, je veux dire, il faut gagner, il faut qu'on révolte tranquille, si fait, pour tout le monde, sans qu'on roche pas voyer, sans qu'on caoutchouc pas bouler, sans qu'on vide pas craser. Tout le monde campé, toute business campé, toute activité campé, nous dit monsieur, ou pas capable. Mais allez, nous pas besoin. C'est notre Benoît. Sénateur Benoît. Et le gouvernement a fait demande là. Monsieur j'ai gagné et Premier ministre Justin Trudeau, et par exemple, qui était estimé il faut gagner un plus large consensus en Haïti pour eux-mêmes, ils étaient capables de prendre leadership, une intervention et dans le pays, une assistance internationale de sécurité. Là, les Noirs regardent dans la communauté, les Noirs regardent sur les réseaux, et Magic te font un mini-sondage récemment, il y a de plus en plus de voix dans le pays qui montrent au favorable et à une assistance internationale en termes de sécurité. Ils estiment que la police nationale d'Haïti n'est pas capable pour contenir résoudre le problème de sécurité. Malgré qu'il y a plus ces voix qui ont réclamé ça, mais la communauté internationale là toujours réticente. Il y a des gens qui même dénoncent ça au cynisme de la communauté internationale là, capitaine du fin tout et nous toutes, et après ça, pour même venir en sauveur et venir sauver le pays. Il y a des gens qui dénoncent ce cynisme de la communauté internationale là. Il y a raison et d'après vous-même. Moi-même, moi, je dis, je dénonce ces cynismes même, parce que vous connaissez, vous là, vous dans le pays, d'ailleurs, l'ambassadeur Bahama, c'est moi, qui voit que pas l'État. L'État a failli. C'est-à-dire qu'on est fort dans nos pays, sauf que Somalie ou en guerre ou là sont l'autre bail et Soudan du Sud ou est en guerre ou c'est Syrie, c'est Libye ou est en guerre que râler pour ambassadeur de machine qui clairement sur mon marqué corps diplomatique et puis il prend l'arrière à pied et comme peut-être en général plus fort barré le noir regarde nous peut-être que les marchés là où à tout le monde peut-être poser son haïtien haïtien mais c'est un diplomate. Imaginons pas être arrivé, imaginons que monsieur a des coups de poche, ou bien il était mort dans la rue après la marche à pierre, ou bien le kidnappel, ou est-ce que ça va le dire? Donc, c'est là qu'on est, ou pas qu'on est. Et bah, marche parti de CARICOM, d'ailleurs, il y a eu une rencontre à Caillou dans 2 semaines, si je ne me trompe pas. Donc, nous-mêmes nous disons, parce que comme ça, ça peut dire, oui, il faut un gros consensus large. Montana fait, nous voulons ouvrir toujours. Mais l'Europe dit qu'on faut juste autour de Ariel. Donc, Ariel, c'est seul haïtien dans le pays qui est indispensable. C'est seul monsieur qui compte pays. C'est seul monsieur qui a géré le pays. Je ne comprends pas. Même vraiment, je ne comprends pas comment que toute communauté internationale là, ils mettent d'accord autour de tout le monde, sans compassion, sans compétence requise, sans amour pour le pays, qui un rien pas dire rien. D'ailleurs, on a parlé, par contre, il ne va pas bien, puisque ça va intéresser le peuple là. Donc, c'est mon ça, on va dire pour faire consensus autour de lui. Mais il me dit non, pour ne pas faire tout d'ailleurs, pour ne pas faire dans un paquet, et patriote honnête, c'est plein, un pays à toujours, avant tout aller, mais on là, et quelqu'un qui va aller, nous là. Donc, nous-mêmes, nous faisons premier gros large, on a nous parlé, on a toujours dit ça, nous parler pour nous parler à tous les citoyens honnêtes, tous les leaders paysans et secteurs privés, on a parlé de leaders honnêtes. Donc nous parler pour nous continuer ouvert. C'est l'homme ouvert, ou bien on vous large, ou gagner un gouvernement transitoire, ou gagner un année les transitions coupées fâchées. Le ça, ou pas le bon police qui part politiser, qui investe qui vous fait tout. Mais au moins, on est là, on parle au bail nouveau leadership la police, la confiance. Côté que, on parle au président, on parle au premier ministre, toute la journée, on dit, prends-tu l'examen, prends ça pour moi, portez comme intelligence pour moi. Et puis, on parle au monde, on demande le besoin, parce que, on des policiers, on dit, on capable, on parle, on est assis, on essaye, on montre à cause de faute d'armement, d'équipement, d'outils, d'ammunition que vous n'êtes pas capable. Et là, comme vous, moi-même, je ne vais pas faire de démagogie, je dis peut-être nous besoin, et moi-même, je pense, moi-même, opinion pas, nous besoin d'une coopération avec un État, un pays ami qui a venu de nous. Et moi-même, je identifie, et Brésil, Canada, des pays qui sont capables. Je ne sais pas si des pays frères africains, et peut-être je ne sais pas si Rwanda, des équipements ou bien ces soldats ou bien des policiers qui pouvaient nous couper. Là encore, c'est travail et gouvernement haïtien à travers ses ambassadeurs cap dans l'ONU, cap dans l'ONU, ou à regarder, au lieu de Chita, on ne va pas régler rien, à toucher 7-8 000 $ par mois sans rien produire. Ça, c'est eux-mêmes qui parlent déléguer le gouvernement pour faire tout ça, pour nous connaître qui côté la bonne meilleure coopération. Et nous-mêmes, tout le monde connaît son patriote, même convaincu, mais il ne faut pas faire démagogie. Peut-être, la police à la mot là, on mettait tous les deux ensemble, ou pas capable, face avec force, peut-être, on va connaître, et que gang d'État, et bien dit gang d'État, donc peut-être que, ou qu'a besoin, ou aide d'un partenaire étranger qui peut me dire, m'a dit de plusieurs noms, ou partenaire étranger. Kavin là, la travail côte à côte avec policiers nous et militaires nous pour nous joindre une solution à problème gang ça. Et nous dit déjà, problème gang là, d'abord, c'est gang détaillé parce que vous tolérez pour l'État haïtien. Si depuis l'été en herbe, en 2011-2012, nous avons fait un fénadeur, je veux dire, madame là, pas oublier, il y a 3-4 ans, l'heure fait de Matissant, qui même là, après crime abominable qui était fait, contre monsieur Swatimoulou, l'État te prend ça en charge. Je veux dire, nous ne pouvons pas gagner toute puissance gang qui a poussé dans le champignon à travers chaque quartier dans la zone métropolitaine. C'est parce que l'État complice, c'est parce que l'État arme, c'est l'État qui arme, et n'a pas de l'État, il y a PHTK dans tête depuis 12 ans, c'est eux qui baillent aux armes, c'est eux qui baillent aux munitions, et c'est eux qui baillent aux robes, c'est eux qui baillent aux protections. Combien de fois vous entendez la police nationale ou l'armée d'Haïti pour faire une tentative d'excursion Matissant? Zéro quoi? Zéro. Donc je dis à la, combien fait, je dis à la, chaque quartier gagné, ou gagne si gang parce que monsieur ouais comme la facile, kidnapping facile, on y kidnappe un monde avant Badjo fait $50,000, alors que gagne monde qui gagne bah on équipe qui gagne master, qui gagne doctorat, ou mettre 3 ans de travail, 4 mois de travail, 10 ans de travail, ou pas casser $50,000, alors que on mec divine là même dans une journée il fait $200,000. Dans toute question, comme ça, on est déposé. Ça lâche ta belle. On est comme là. Est-ce que l'État j'aime jusqu'à aujourd'hui à identifier un kidnappeur, un green, pour dire mais combien de kidnappeurs ça a sous conflit? Pour que, moi, je dis qu'il y a complicité, et moi, je dis que c'est une tolérance au plus haut niveau de l'État qui fait une situation délétère. Donc, nous-mêmes, au niveau de Montana, nous réfléchissons en matière de sécurité, nous réfléchissons en matière de gouvernance. D'ailleurs, feuille de route, tout ça est clairement explicité là-dedans. Justice là-dedans, justice sociale là-dedans. Nous-mêmes, au niveau Montana, nous clairement, feuille de route, nous adresser toutes questions posées là-dedans. Feuille de route, nous répondons. Et nous-mêmes, encore une fois, nous dit, et nous voulons être clair sur ça. Montana, nous pas dit c'est la science infuse, nous est. C'est un groupe monde d'horizons différents, 1200 signataires. Parti politique, société civile, et organisations populaires, organisations paysans, syndicalistes, hommes d'affaires, femmes d'affaires, et politiciens, nous mettons ensemble, nous travaillons ensemble, et nous étions unis, malgré tout les deux rois, nous étions unis au niveau de Montana, et nous disons au niveau de Montana, nous prêts pour nous associer nous à d'autres entités qui viennent notre tête au monde honnête, nous patriotes, et nous dit tout dans Montana, et moi dis je suis prêt à faire le grand sacrifice moi-même pour me retirer comme moi, parce que dans Montana, mais me retirer comme moi comme premier ministre, si c'est ça qui vous fait, et si c'est ça qui vous fait consensus largement large là avancer. Donc encore une fois, c'est pour nous dire, pour nous prouver, nous-mêmes nous pas d'obsession de pouvoir, nous pas obsession. Obsession nous c'est pour nous Haïti tourner saleté dans les années 30-40 une belle Haïti. C'est ça l'obsession nous y est. Des petits bouts qui marchent librement, quand on monte dans le restaurant, quand on monte dans l'école, quand on monte dans le marché, quand on monte dans le champ, et quand on paysan dans le champ, al travail, c'est ça dans le côté où je fais camionnette, start machine le matin, fait 10h dans la rue al travail, ça pour rentrer la caille avec petit quoi buffet. Dernière question, sénateur Benoît, et vous montrez très critique vis-à-vis de l'accord 21 et décembre, mais à cause ça, ils joignent des supports et communautés internationales là, même si ils ont demandé pour élargir le consensus là, mais ils font unanimité auprès de communautés internationales là. L'accord 21 décembre, c'est un accord mort-né. C'est même, monsieur Zedam, 11 septembre, qui allez, yo comporte l'autre bagaille, ou yo prend, par exemple, yo prend Montana en 9 reprises, yo prend 9 organisations, yo mettez le Montana derrière yo, et gen moun yo signé pour yo, gen moun qui pas signé, ou par exemple, moun capteur soit fait justice, yo sécurité yo, ou yo mettez le, yo essayé un paquet moun d'assaut, et gen moun qui signé 6 fois, gen organisation sont seul moun qui gen 8 organisations, et personne n'est dupe. Combien d'argent la série qui demande pour Ariel faire ça? Pour gagner l'électricité. C'est normal. Ils battent un bouillon dans cet embouillon. Les populations haïtiennes, pas dupe. Je dis à combien, si accord 21 décembre, besoin font manifestation pour montrer qu'il y a appuyé Ariel. Moi, je fais une. Je ne sais pas 20 personnes, je mets par les cobes. Mon y a pris un cob, parce que mon y a honte. Mon y a pris un cob là, il y a le caché. Donc, je dis à là, on est très clair. Ça, c'est un accord monnaie, il va avoir un côté, et communauté internationale, encore une fois, chaque temps parler au médio, surtout américain, on parle au médio, depuis des années, on a trompé nous sur Haïti. Faut tendez peuple là, tendez cri peuple là, tendez jeunes leaders universitaires, tendez mounio, tendez militants, tendez syndicalistes, tendez paysans, tendez yo, et ouais, sauf que là, il a marché. Je dis à la, Ariel a perdu du temps, et lui-même, il a perdu du temps. Il a perdu du temps jeunesse. La jeunesse, là, il a raté 4, 5 ans l'école. Où est-ce qu'il est, je dis à la, jeunesse, là, obligé à jeter pour tous les moyens possibles. Alors que, nous avons un bel pays, nous avons un bon pays, si nous sommes obligés, jeter au Chili, monter Pérou, passer Équateur, passer Panama, et passer Costa Rica, monter Guatemala, monter Mexique, pour arriver sur la frontière américaine, et ils ont gagné, ou qu'on est bête, sauvage, manger, gagner la dehors, gagner mourir sous route, gagner qui passe de condition physique qui n'est pas arrivé, gagner l'héroïsme qui arrive à pour sacrifice de plusieurs milliers de dollars au bail passeur, arriver sur la frontière américaine, après des milliers de dollars dépensés, qui ont peut-être investi dans le business de Port-au-Prince, mais on est au CAI, il a vache, etc. Ils ont pimpé au tournée, et ils ont dit, tellement sont l'enfer vivant ici, malgré toute perte, malgré misère au passé, sous bateau, pour vous retourner tout, ils ont dû parler pour vous retourner, pour recommencer, même et circuler encore. Ça veut dire que c'est découragement total, je vais ça totalement découragé. Et je veux dire, parmi un jeune, après les me disent ni pour aller, pour me dire l'été. Parce que nous-mêmes, meilleur jour de c'est une cinquantaine, mais un jeune de 20 ans, de 30 ans, qui université ou bien qui t'a aimé à l'université un jour parce qu'on est éducation, c'est lui qui sauve lui. Et puis, ou qu'a dit l'été c'est qui ça. Et pendant dire l'été, et c'est qui m'appelle demain sous mon truc que dit l'été. Nous même pas dire mon parler. Même Jean et monsieur Dieu a dit, si vous voulez aller, si vous voulez rester, vous ne pouvez pas faire bon, vous devez construire comme ça. Et je suis d'accord avec tout ça, c'est un point. Parce que, effectivement, je dis à la communauté internationale, là, non, pas comme pour qui ça, non, à mon, il gagne pour Ariel, qui est devenu, qui était toujours un élément toxique. Je dis à la, par contre, qui m'ont encore plus d'abeilles, donc, comme je dis à mon vieux, j'ai appelé, il y a mon capteur du bouillon. Faut voir que, ils ont trompé, ils sont ici, ils ont trompé, ils sont derrière, ça, ils ont développé, ils n'ont pas comme ça. Quand on a dit, ils ont un problème, nous devons faire l'élection rapidement possible pour oublier, pour oublier de nous. Pas d'élection avec Ariel. Pas de changement de constitution avec Ariel. Nous sommes attachés à ce qu'on a donné 7 mois, malgré ces problèmes qui pour résoudre, je pour résoudre là. Nous bon amendement avec des députés, des sénateurs sérieux et qui bien élus. Ça a essayé de faire la changer de constitution, il ne peut pas marcher. Parce que Ariel n'a pas gagné crédibilité pour faire ça. Ariel n'a pas gagné technicalité pour faire ça. Pour mettre des ACT, pour mettre l'entouré d'un paquet de monde, ça n'a pas marché. Je dis à la CEP, par exemple, quel CEP qui a besoin de monter pour mettre des petites promesses, CEP n'a pas monté. Je dis à la, pas de cours de cassation pour CEP prêter seulement devant. Nous avons seulement 3 juges à la cour de cassation et il n'y a pas un président régulièrement nommé à la tête de la cour de cassation. Malgré ça, nous tendons de Yoa. Je dis à la, pas d'élection de ce peuple haïtien qui parlait, ouais, Ariel Henry. Parfois, le fait un monsieur a organisé. Donc, je dis, Ariel Henry est toxique, Ariel Henry peut pas parler. Faut combien de gens comprennent ça. Comme lui-même, c'est pas tant par la paix du peuple haïtien, donc il pas comprendre ça. Mais, faut, chaque matin, faut qu'il y ait des gens qui pour monter dans la radio là, qui pour écrire un petit journal là, pour jusqu'à ce que, bah, la rentrée fond, notre tête internationale là, ou pas qu'à faire un lien avec Ariel Henry. Ariel Henry, c'est déjà le passé. Ariel Henry est malade. Il faut nous mettre de côté. Il faut une transition coupée fâchée à faire. Que blanc vlel, que blanc pas vlel, peuple haïtien demande une transition coupée fâchée qui pour mener dans 2 ans vers une élection propre. Côté résultat a bien défini. Côté pas bien l'argent ça l'élection parce que nous cassons ça, décret ça, on a écrit là pour notre transition pour monde en élection. Pour déclarer parti, moi, nous, avant que, pendant candidat, pour reconnaître son vote, avant candidat, pour une limite de quoi qui pour bail. Si c'est 100 000 gouttes qui limite, on ne peut pas bailler plus que 100 000 gouttes, on ne peut pas 1 million gouttes à un candidat, il n'y a pas arrêté, on va violer les lois électorales là, on paquet de bagailles qui vous fait, et bagailles, ça, il écrit déjà, il y en a déjà, c'est appliqué ou pas appliqué, parce que mon équipe, monde, sans vision, c'est 11-12 dernières années qui sont passées à la tête de l'État. Et peuple haïtien, Jovenel Moïse, tout, il était trompé. Pendant 12 ans, le pays a été pillé. par des présidents, des premiers ministres, des oligarques, des députés, des sénateurs et même des magistrats. Je dis à la population fait constat et il y en a de retour qui est trompé de bonne foi. Mais je dis à la population, ouais, que moun qui l'a yo, je dis à la, il continue à faire œuvre, battre le régime PHTK, troisième version, très bientôt quatrième version, parce que je ne vais pas le faire globalement. Donc, il va le quatrième version, le peuple a dit non. Le peuple a rejeté moun sa yo déjà. Le peuple a dit, il parle de moun sa yo encore. S'il était là, peut-être, bon manque d'expérience, ce monde qui a trompé. Mais je dis à la, le peuple a clair. Les rapports de Petro-Caribé sont là. Les rapports de l'ONA, des faits illégaux de l'ONA sont là. Tout rapport est là. Le peuple a clair. Et, même pas mal dit de parler, mais même, en toute conscience, il y a 12 ans, m'a dit, 12 ans, m'a répété, mais ça y a fait nous, moun ça y a pas bon, mais ça y a pas le fait nous. Je dis à lui, clair, résultat li palpable, résultat irréfutable, le pays a été pillé par un petit groupe d'Haïtiens malhonnêtes. Mais ils sont identifiés. Ils sont clairement identifiés. Tôt ou tard, citoyens corrompus, malhonnêtes, méchants, apatrides, ça y a payé. Même si je ne parle pas pour moi, mais derrière d'hommes, peuple haïtien, gagner pour faire payer, même dans mourir, pas de problème, même pas de l'ombre. Mais peuple haïtien, derrière d'hommes, la paye payer, crime, ils ont fait contre bon peuple ça, contre bon pays ça. Merci beaucoup, sénateur Steven Benoît, d'être disponible pour nous matin. Merci, Bill, bonne journée, Haïti pas pays, Haïti pas pays. Mes amis, attendez ça, ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf s'il le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, oui, chez Chanel par là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle pays, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, l'homme, même voix.